C'est le moment, c'est l'instant de retrouver la chronique habituelle du lundi, celle proposée par David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Le moment d'inspiration du lundi, on en a bien besoin pour trouver l'énergie pour affronter la semaine. On va parler d'aide aujourd'hui, je pense. Oui, nous allons parler d'entraide, d'aide et d'entraide. Rappelez-vous, lors de la première chronique de cette deuxième saison, je vous ai proposé de penser à vous et de prendre du temps pour vous. Chers auditeurs, peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que nous vivons dans une société où l'égocentrisme et l'égoïsme sont rentrés dans les mœurs. Chaque jour nous pensons à notre personne ou encore à notre entourage, mais qu'en est-il des dizaines d'inconnus que nous croisons chaque jour ? Bien qu'il est important de penser à soi avant de penser aux autres, il est également important de se rappeler que c'est le partage qui nous aide à avancer. Aider une personne âgée à traverser, porter les courses d'une femme enceinte, tenir la porte à la personne qui vous suit, tant d'actions qui peuvent vous paraître anodines et qui pourtant font de vous quelqu'un de meilleur. Font de nous quelqu'un de meilleur et souvent on reçoit en échange ne fût-ce qu'un sourire par exemple. Effectivement, un sourire, un regard et que demander de plus? L'action que je vous propose cette semaine est d'aider quelqu'un que vous ne connaissez pas, sans attendre en retour justement. Et quoi qu'il arrive, vous recevrez en retour, on en parle dans quelques secondes. En aidant quelqu'un aujourd'hui, vous allez prendre ou reprendre conscience du plaisir et de la fierté que l'on ressent lorsque l'on apporte son aide à autrui. Oui, c'est tout à fait vrai, mais bon, j'ai jamais vraiment perdu de vue ce petit geste anodin de tous les jours. Et oui, et donc l'idée c'est de partager cela avec vous aujourd'hui, chers auditeurs. D'ailleurs, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Et rappelez-vous que les apparences sont parfois trompeuses. Par exemple, vous pouvez découvrir sur la page Facebook de Buzz Radio une vidéo présentant une caméra cachée. La vidéo se déroule en deux temps. Dans un premier temps, une personne est déguisée, en sans-abri, et simule un malaise pour voir ce qui va se passer. De nombreuses personnes passent à côté sans même l'aider. Il faut quelques minutes pour que quelqu'un décide, à ce moment-là, de prendre la peine de soutenir cette personne. Dans un deuxième temps, cette même personne habillée en costume chic, ayant une certaine prestance, simule le même malaise au même endroit et en quelques secondes, il se voit aidé. Évidemment, il faut garder l'esprit critique et ces images ont sûrement été sélectionnées sur plusieurs essais. Cela reflète cependant une certaine réalité. Les apparences influencent la vision que les autres ont de nous. Eh oui, beaucoup plus qu'on ne croit d'ailleurs. Effectivement. Et pour en revenir à notre action de la semaine, prenez le temps d'aider un inconnu sans attendre en retour et peu importe votre interprétation de l'apparence de cette personne. Comme je vous le répète chaque semaine, cela peut être des choses simples comme ouvrir la porte pour quelqu'un, aider une personne âgée à traverser ou encore offrir un repas à un sans-abri. Et dites-vous simplement qu'un jour ou l'autre, c'est vous qui aurez besoin d'aide et que quelqu'un de bienveillant viendra à votre secours. Et oui, il y a une sorte de karma là derrière. Hein. Effectivement, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler comme on le désire. Et rappelez-vous, chers auditeurs, que sans action, pas de résultat. Vous pouvez relever le défi 25 jours pour une vie meilleure et recevoir une action chaque matin dans votre boîte email. Le fameux défi mis en place par David cette saison-ci, quel est-il et comment surtout participer ? Alors, il vous suffit de vous rendre sur la page internet carrefourdesreussites.com/défi. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous laissez votre adresse email et chaque matin, vous recevrez une action pour impacter positivement votre vie et la vie de votre entourage. Et vous verrez, ce sont des actions simples comme celles que l'on voit chaque lundi ensemble. Voilà, une action simple pendant 25 jours dans votre boîte mail. Il suffit pour ça simplement de vous inscrire tout à fait gratuitement sur le site carrefourdesreussites.com. Et vous allez sur la page défi. Effectivement. Et soyez fiers de vos actions. Félicitations pour toutes les actions que vous mettez en place chaque jour. Rappelez-vous que vous êtes actrice et acteur de votre vie. Et oui, et celle des autres également. Et celle des autres. Merci David pour ce petit partage du lundi. On te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet que tu connais peut-être déjà. Oui, on va parler d'organiser un moment convivial avec ses proches. Voilà une bonne idée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Excellente journée à toi. À l'écoute de la musique de Buzz Radio qui revient.